Le 15 décembre 2020, Laetitia Hallyday et l'acteur Jalil Esper officialisaient leur relation sur Instagram. Avec leurs enfants respectifs, le couple a emménagé à Los Angeles. 5 ans après le décès de Johnny Hallyday, sa veuve semble apaisée. Toutefois, elle n'est pas encore prête à se remarier. Dans un entretien accordé aux Parisiens, ce mardi 6 décembre, la mère de Jade et Joy a confié « Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier ». L'ancienne mannequin a expliqué « Le plus difficile dans ce deuil, c'est que je n'ai pas divorcé de Johnny, c'est la vie qui me l'a pris ». Jalil Esper accompagne Laetitia Hallyday dans cette épreuve et fait preuve d'empathie. Mon compagnon m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi, a témoigné amoureusement l'auteur de Mes îles, Mes rêves. Supérieur à supérieur à Laetitia Hallyday, les hommes de sa vie être amoureuse et heureuse dans les colonnes du Parisien, la principale intéressée a estimé, c'est à moi de me remettre en question et d'avancer. Afin d'aller de l'avant, Laetitia Hallyday porte plusieurs projets dont une exposition en hommage au French Elvis à Bruxelles. Elle a conclu, aujourd'hui, j'arrive à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse. En définitive, entourée de ses proches, l'ex-modèle est comblée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Aédric Jean-Marc Alain Robert /